Emas Bagidi à l'état civil, mais depuis une dizaine d'années, Da Medeo Emas Bagidi, en tant que professionnel auteur, metteur en scène, scénographe, mais dans le cadre du projet PAOSU et dans l'activité, séminaire atelier à Ouida, et on m'a confié la lourde responsabilité de conduire le comité d'organisation jusqu'à la fin du séminaire atelier. Et grâce à Dieu et grâce à l'Union européenne et à Artwork et tous ses partenaires, et grâce aussi à la confiance imprimée et voulue de la coordination, l'association Katulati et son partenaire Imerio, nous avons pu conduire jusqu'à son terme cette tâche qu'on nous a confiée. Mais cette tâche s'est articulée en deux grandes phases. Et deux grandes phases importantes parce que par rapport aux participants, la première phase, c'est la phase atelier où nous avons eu pendant cet atelier avec les 12 qui étaient invités et conviés à l'atelier, des formateurs émérites comme Marcel Orofico, des gens comme Ousmane Aledji, qui sont venus partager leur savoir-faire et leur savoir-être avec nous à travers les thématiques que le comité scientifique leur a confiées. La deuxième phase, c'est la phase qui s'achève aujourd'hui avec la cérémonie de clôture. C'est la phase séminaire. Cette phase s'est vue alourdir l'équipe parce que d'autres nous ont rejoints, c'est-à-dire des gens qui étaient soit à la formation à Boycon, c'est-à-dire les acteurs qui sont sur le terrain, les professionnels qui sont sur le terrain et qui parcourent déjà les écoles et les villes pour raconter, soit pour slammer. Il y a aussi nos invités. C'est des amis, c'est des gens qui sont imprégnés de la chose, de l'oralité, des gens qui sont imprégnés aussi de la dynamique qu'on a ajoutée à ce projet qui est la dynamique de la cohésion sociale, c'est la dynamique humaine, la dynamique du vivre ensemble pour préserver la paix. Donc ceux-là aussi se sont joints à nous pour conduire et ont partagé aussi avec des formateurs et des panélistes et des gens, parce qu'il y a une étape de libre échange qui a vu à la table François Bemba et Léonard Yakanou du Togo, François Bemba étant du Burkina, et Richard Sogan qui est un cadre émérite du ministère de la Culture qui s'est essayé, qui a voulu échanger à cœur ouvert avec nous hier pour nous partager, pour nous dire les goulets d'étranglement et pour nous proposer, parce que à cœur vaillant, les solutions, sinon les approches de solutions qui peuvent nous amener à aller loin dans cette détermination de PAOSU qui est de voir des acteurs s'impliquer sur le territoire pour préserver la paix, pour faire de la paix sur un instrument de cohésion sociale et de vivre ensemble. Là, n'existe qu'à travers les autres. L'artiste n'est pas un solitaire. L'artiste ne vit qu'au cœur d'un environnement, qu'au cœur d'une société, qu'au cœur d'un territoire. Et ce territoire a des problèmes. Et l'artiste est un objecteur de conscience. L'artiste, c'est celui qui apporte beaucoup dans la résolution des crises parce que par rapport aux thématiques qu'il utilise, par rapport à sa démarche de conquête du public. Parce que quand on dit public,
il n'y a que ceux qui rient. Ceux qui rient sont souvent dans des lieux où il y a la paix. Ceux qui dansent sont souvent dans des lieux où il y a moins de souffrance. Ceux qui rient sont dans des lieux où tout le monde s'entend. Donc l'artiste a un rôle particulier. L'artiste ne doit pas s'isoler de son territoire. L'artiste ne doit pas s'isoler de sa population parce qu'il vit au cœur d'une population, parce qu'il vit pour la population. Et tout ce qu'il fait est à l'endroit de la population. Donc c'est le premier vecteur. Et même les ONG qui parlent de bonne gouvernance, qui parlent de santé, ils sont obligés aujourd'hui à travers l'IEC d'utiliser ce vecteur qu'est l'artiste pour pouvoir transmettre leurs messages. Et leurs messages sont importants parce que nous sommes là pour relayer, parce que nous sommes là pour transformer ça en objet ludique. Et ce qui est difficile, difficile à comprendre, ce qui est difficile à transmettre, l'artiste a les moyens et les âmes nécessaires pour le passer avec la joie et la bonhomie nécessaires.